À Strasbourg, l'assaillant du marché de Noël reste introuvable. Une intervention du RAID s'est déroulée ce jeudi après-midi dans le quartier du Neudorf, l'endroit où se serait potentiellement retranché le tireur, mais aucune interpellation n'a eu lieu. Une cinquième personne de son entourage a par ailleurs été placée en garde à vue en fin de matinée. D'après les informations du journal local Dernière Nouvelle d'Alsace, l'homme interpellé aurait hébergé le suspect la nuit précédant l'attentat, qui a fait 3 morts et 13 blessés mardi soir. L'homme le plus recherché de France le voici, un Strasbourgeois de 29 ans fiché S pour radicalisation et au lourd passé judiciaire. 27 fois condamné, celui-ci a déjà écopé de peines de prison en France et en Allemagne. Ses parents et deux de ses frères ont d'ores et déjà été placés en garde à vue dans la nuit de mardi à mercredi. Alors que la traque se poursuit, les Strasbourgeois se recueillent de leur côté, déposant des mots de soutien, des fleurs et des bougies aux abords des lieux de l'attaque.